Tu sais que ça fait mal? Désolé, t'avais l'air d'avoir très envie de parler. Perspicace, Señor. Et t'as pas une clope? Eh non, je tiens à ma santé. Ah, ok. Tu peux me détacher au moins? Oh, mais manquez plus que lui! Vous êtes qui? Restez où vous êtes! Oh. Agneau sacrificiel, tu vas recevoir notre corps le plus sacré. Ça commence maintenant. C'est quoi ce bordel? Hé, arrête ça! Hé, Yankee, t'as un nom? Léon. Pas bavard, hein? Moi, c'est Luis Serra. Je crois que toi et moi, on a mal choisi où passer nos vacances. Hé! Arrête, ok? Tu bouges, je bouge. J'ai déjà assez m'en foutre comme ça. Ok, je vois ce que tu comptes faire. T'es habitué à ce genre de situation, hein? Je parie que t'es ici pour retrouver quelqu'un. Laisse-moi deviner. Peut-être. Tu cherches une señorita? Une jeune fille. Parle. Maintenant. Ok. J'ai entendu dire qu'ils emmenaient une señorita. L'emmenaient? Où ça? Qui sait? Mais après, j'ai vu des types traîner quelqu'un vers la vieille église. Merde. Arrête-toi, c'est pas une vie. Hey, où est-ce que tu vas? Plus, amigo. Merde, mon équipement. Allez, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 de Resident Evil 4. Condor 1 à Perchoir. J'ai localisé Eglon. Apparemment, ils la retiennent dans une église. Bien. On progresse? L'info vient d'un type que j'ai rencontré. Un certain Luis Serra. Il y avait quelque chose de louche chez lui. Tu pourrais te renseigner à son sujet? Reçu, Condor 1. Je vais voir ce que je trouve. Toi, pendant ce temps-là, rends-toi dans cette église. Ouais. J'ai 2-3 trucs à confesser en plus. Condor 1, terminé. Bon, avant de me faire couper, on est au chapitre 2 de Resident Evil 4, donc on arrive presque à l'endroit où je m'étais arrêté en live. Alors voilà. Donc voilà, Papa Pixel, hein, pour ceux qui ne savent pas, j'ai changé de pseudo. Voilà, renouveau de la chaîne. Et c'est le premier respect qu'on fait de ce renouveau. Alors... l'herbe verte. Alors ici je connais, mais après, une fois qu'on arrive au marchand, je connaîtrai plus. Et ça va être bientôt. Alors j'espère que la qualité de la vidéo vous plaît. J'essaie de faire au mieux. Passant par... pas en passant par le stream, bah, je gagne en qualité, hein, forcément. Parce que je n'ai pas un PC assez puissant pour enregistrer et streamer en même temps. Le jour que j'aurai un PC assez conséquent, bah là, à ce moment-là, je pourrais le faire. En attendant, je peux pas. Allez, hop. Ouais, mais je fais du bruit là. Voilà. Allez, un couteau de cuisine.
ici, on n'a rien. Eh, c'est à moi, ça. Allez, on continue. Alors ici, on va apprendre la contre-attaque. Ouais, ouais, ouais. Allez, c'est parti. Voilà. Comme quoi. Voilà. Voilà. On a appris la contre-attaque. Alors, je fais déjà ça parce que... Je sais que les rats, il va falloir les tuer pour... Merde, je l'ai loupé. Pour une requête. Oh putain. Allez, viens là. Ah. Voilà, c'est bon. Ok, il y en a un là, de rat. Ok. Donc ici piège. Ici ok, on a fait. Ok là. Voilà. Petit raccourci. DPC tasse. Ah ici il y a un autre rat. Voilà, c'est ici le dernier. Je me demandais ce qu'il était, je me souviens plus. Il est où? Il est là. Allez! Voilà, c'est bon. On a complété le truc. Donc on va pouvoir faire... Alors j'ai pas activé le ray tracing. Alors attends, je vais juste regarder en vitesse. Normalement, non. Hein. Non. Je suis en mode framerate. J'ai pas activé le ray tracing cette fois-ci pour avoir une... Un meilleur confort au niveau du jeu. Désolé si je parle pas fort parce que Fanny dort, pour ceux qui connaissent. Alors on va essayer de pas. Voilà. Allez, on récupère tout ça, voici nos affaires, donc du coup ça c'est nickel, ça ce sera pour prolonger la vie. Je récupère tout ça. Et on récupère les couteaux, en même temps ça c'est cool. Hop. Nickel. Alors ici, la clé, mais on n'a pas. Le voilà, le fameux marchand. Par ici, étranger. C'est qui? Voilà. Et ben là, j'arrive exactement à l'endroit où je m'étais arrêté. Donc là, je connais plus rien. À partir de là, c'est une grande surprise. On va pouvoir faire des affaires, toi et moi. D'accord. Alors, attendez. Juste prendre... Des munitions de fusil. Alors, astuce du marchand devenir riche. Savais-tu que tu pouvais échanger les spinels que tu reçois en récompense contre des objets de valeur qui ne peuvent pas être achetés autrement? Parmi tous les objets utiles, nous avons. Je te conseille surtout de prendre une carte au trésor. Ok, donc du coup, alors attendez, désolé si le son il est un peu bizarre, c'est parce que je chipote au micro, voilà. Je vais juste regarder quelque chose. Ouais, ça c'est bon. Ok, donc ça, on est bon. Les cartes indiquent les emplacements des trésors cachés de la secte. Il nous a fallu un paquet de temps pour venir. Seulement, tu devras t'aventurer dans les zones. Ok, donc ça, c'est fait. Donc avant de sauvegarder, on va juste faire un petit tour ici pour voir ce qui se passe. Voilà, il y a une caisse. Alors, des PC tasses, on va pouvoir vendre les objets également. Donc, ici. On ne pourra pas passer, il va nous falloir un objet. Ça sera là.
Ok, donc du coup, on va voir ce qu'on peut faire. Alors comme ça, t'as terminé une requête, hein. Bien joué, l'ami. De rien. Alors, on va juste mettre, si on peut, les munitions. On peut pas mettre les munitions. Ah d'accord. Ah, on peut pas mettre les munitions dans le coffre. Oh là là, ça va être la merde. Bienvenue. Un travail bien fait mérite une récompense à la hauteur. Allez, trois spinels. J'ai de quelque plus. Chose de nouveau pour toi. On peut échanger les spinels contre un pistolet, diamant jaune, la carte du trésor du village. Mon dos me fait souffrir. C'est le poids des années qui se fait sentir, je suppose. Donc on va prendre ça. T'as un faible pour les trésors, hein? Ouais. T'as bien raison. On va vendre des objets. Est-ce que je peux t'aider pour autre chose? Donc, alors... Géant, fais bonne route. Alors, attends, parce que... Alors, ça... On va le sortir d'objet. Ici. Et ici, voilà. Donc du coup, on a un pourcentage de plus. Bienvenue. Et on peut le vendre beaucoup plus cher. La clé de la cave... Trésor ou babiole, ça n'a pas d'importance. On peut la vendre, ça peut être plus utile, mais je vais la garder au cas où. Alors le collier, vu que je l'ai récupéré propre, il coûte beaucoup plus cher. Sinon, ça aurait été 3000 pesetas, celle-là, il coûte 5000. On va vendre ça, on va vendre ça, ça non, et tout le reste, on garde. Hein. Du coup, merci. Allez, 39 pesetas, on va modifier, on va réparer déjà le couteau. Rien de plus facile. On va pas acheter de nouvelles armes. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. À quoi tu tiens le plus? À ton argent ou à un peu de place ne peut pas faire de mal. L'extension de mal, ça c'est. Ça devrait te convenir, étranger. Très utile. Ensuite, lance-carreau, bon, j'en ai pas besoin. Ce que tu vois là, c'est tout ce que j'ai. Le flingue. Et c'est ça pour voir. Alors, la capacité. Tiens, vois ce que ça donne, l'ami. Quelqu'un tir, comme toi devrait non. tout de suite remarquer la différence. Peut-être le pompe. En capacité. Si tu veux avoir une chance de survivre, je te conseille d'améliorer tes armes. Alors, ça t'épate, hein? Capacité. Notre savoir-faire ne laisse personne indifférent. Je pense qu'on est bon, là. Je pense qu'on est pas mal. J'ai plein de choses intéressantes à vendre, étranger. Ok. Reviens quand tu veux, surtout. Ça, on est bon. Du coup, on a prolongé la manette. Donc, du coup, il faudrait organiser son inventaire. Ça, je vais le déplacer là. Ça, là. Les couteaux, on va les mettre là. Tout ce qui est munitions, on va les mettre au-dessus. Tout ce qui est plantes, etc., on va mettre là. Parce qu'on n'en a pas besoin pour l'instant. Je ne peux pas les déposer, donc ça c'est très 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 frustrant. Donc le couteau, là. Voilà. Alors tout ce qui est soin, on avait dit qu'on mettrait ici. Voilà. Et on va mettre celui-là également. Ça, je vais le foutre là. Alors, tout ce qui est munitions, on va le mettre ici. À l'inverse. Voilà. Voilà, je pense qu'on est pas mal. On va juste voir si on peut déposer dans le coffre. Des choses, ouais, l'esprit. Je vais garder tout ça. Ma manette. Changer de manette. Bonus porte-bonheur. Quoi? On peut mettre des porte-bonheur? Ah ouais? Ah! Allez, on va sauvegarder. Donc c'était ici. Je vais faire. Voilà.
Voilà. Et on est parti pour explorer. Alors là, c'est totale découverte, je vous l'annonce. Je sais pas ce qui m'attend. On va essayer d'avancer chapitre par chapitre. Alors, j'avance à tâtons, hein. Moi je prends mon temps. Ah, il y a quelqu'un là. Ah, oh, c'est le pistolet, il est. Merde. Si c'est vraiment amélioré ou pas. Allez, dépêchez tasse, ça c'est cool. Faut que je me soigne un petit peu parce que là. C'est quoi, je vais utiliser ça. Voilà, ça a prolongé comme ça ma barre de vie. Allez. C'est beau, hein. Il est beau le jeu, hein. Allez. Ouf. Oh, on s'est fait voir, non? Ou c'est moi? Donne de Stas. Spinel. Bon bah je me suis fait voir. Merde. Ah merde. Ah. Bon bah voilà. Oh putain! Oh, je me suis fait avoir comme un bleu. Oh. Oh non, 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 non. Oh là 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 là. Je me fais avoir comme une merde. Oh putain. Ça s'arrête jamais. Putain, c'est pas possible. Voilà, je suis désolé, je parle pas beaucoup, c'est parce que je me. Ah, je me concentre à mort, mais. Oh là 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 là. Oh là là là. Et c'est vachement chaud là. Merde. Putain, je voulais pas qu'il le tire ça. Sa dynamite. Foutez-moi la paix. Allez, cassez-vous. Ah, mais... T'as le bahut. Désolé, je l'ai glissé. Ça s'arrête jamais. Non. Ça s'arrête pas. C'est bon ? On est bon ou vous abandonnez ou pas ? Apparemment non. Ah.
généralement ils abandonnent jamais. Bon. Alors ici on a un rubis. Oh! Oh putain! Je l'ai entendu, mais elle est arrivée d'un coup. Mais elle est arrivée de. Oh, attention! Elle est arrivée d'où? Bon, je pense qu'on est bon. Hein. Ah, c'est pas fini. Apparemment, il y a encore des gens. Oh! Là! Ouh. Ok, donc ici, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a ouvert un truc, donc du coup, on va essayer c'est de ramasser tout ce qu'on a fait tomber. Ah, bah, il y a encore des gens là-bas. C'est bon ? Ok. Ah, il y a encore des gens. Je les entends. Donc on va aller ramasser tout ce qu'on a fait tomber. Ok. Ici. Ici, on a la porte qui s'est ouverte. Ah bah c'est là ? Attends. Ah, c'est la porte du début. D'accord, ok. Donc on a réouvert la porte du début. Ok. Donc on a toujours pas ramassé. Alors est-ce que j'ai de quoi fabriquer des munitions ? Non. Faut que je fasse gaffe, hein, parce que j'ai presque plus de balles. Donc faut que je fasse hyper attention. Donc ici, ça met... Merde, il vient d'où ? Ah ! D'où ça vient. Bon. On va avancer. On va voir ici. Alors, apparemment, on va jeter un truc. Visiblement, il n'entend rien, monsieur. Ça tire là. Je comprends pas. Ah, des munitions, cool. Ah. Ah, c'est ça. Putain, mais ils viennent d'où ? Ok, on va les voir en haut. Je suis sûr, ils sont là quelque part. Il est où ? Ah, putain ! Voilà. Ok.
Non, mais c'est pas possible, ils sortent d'où? Encore? Oh oh. Oh putain, mais. C'est infini ou quoi? Ils viennent d'où ces gens? Bon, on va récupérer ça, l'emblème. Bon bah. Oh bah attends. Voilà. Oh putain, mais. Ça. Oh bah j'ai plus de balles. Voilà. Bon, on va aller chercher ce qu'il y a là sur le toit. Ça pourrait être utile. On va juste faire le tour par là. Voilà. Je suis foutu là. J'ai plus que le couteau là. Putain, c'est chaud quand même. Ah, petite clé. Ah. Ah bah oui, j'avais pas fouillé là, je suis bête. Ah, la petite clé servirait à quoi? Ah, ici, qu'est-ce qu'on a? Ça vient où ici? Là. Bon, allez. Là, je vais le tuer parce que ça fait chier. Voilà. On pratique le truc. Bon, y'a moyen que vous me fichiez la paix là. Pas ou c'est trop demandé. J'ai récupéré l'emblème et la petite clé, donc du coup j'ai plus rien à faire ici, je pense. Je vais aller chercher les munitions qu'il y a au-dessus. C'est visiblement on peut aller les chercher. Alors ici, si je saute, j'arrive là. Voilà. Ok. Nickel. Alors je sais pas d'où ça vient. Mais je pense que. Ah bah c'est là. Oh bah putain quoi. Putain je vais te tuer. Voilà. Ok. Fou. Eh ben dis donc. Alors, est-ce que j'ai tout fouillé dans cette zone? Mission de pistolet. Ah bah ben, attends. Normalement, on est bon là. Ah. Ça serait au-dessus. C'est quoi ça? Objectif intermédiaire. Quoi? Quoi? Putain! Ah bah oui, là! Comment je fais pour aller là? Bah je peux pas en fait. Attends.
j'ai aucun moyen d'accéder là, on est d'accord. Hein. Donc c'est, ça sera plus tard. Bon, allez, c'est pas grave. On va aller remettre l'emblème. Je pense qu'on sera bon comme ça. Alors, attends. Non, je me suis trompé. Allez, on y va. Voilà. On va pouvoir faire une petite sauvegarde. En tout cas, j'ai usé tous mes munitions. Pour ce truc. Il n'y a pas de mal à se faire plaisir. Non, non, il n'y a pas de mal, mais c'est chaud, quoi. On va sauvegarder là. Bien. Et je vais voir si je Bienvenue. Peux... Bienvenue. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Alors, je peux vendre ça. Je peux vendre la claca, mais où ça le... J'achète tout. J'ai deux et rubis. Quoi. Je vais attendre d'avoir peut-être un bijou que je pourrais sortir avec des rubis. Juste vendre ça. Eh bien, je vais certainement pouvoir faire quelque et chose. Et on va pouvoir améliorer la puissance de... Non, on va la puissance suffisante. Une arme pompe, modifiée permet de compenser un manque de compétences. C'est la cadence de tir. Non, on va augmenter ça. Et voilà. Ouais, je pense que ce sera pas mal. Fais bonne route. Attends. Bienvenue. J'ai plein de choses intéressantes. Alors, à vendre, étranger. Formé de carreaux. À quoi tu tiens le plus ? À ton argent ou à la vie ? Le choix est vite fait, l'ami. Attends. Je peux pas. Une autre fois, peut-être. Du coup, je peux pas acheter. Je pensais qu'il avait des pièces pour ou des munitions pour le fusil à pompe, etc., etc. Donc, on va se re-sauvegarder parce que voilà, moi, le changement il est fait et acté. J'ai pas besoin de plus. Du coup, quoi ? Ah, c'est lui qui fait ce bruit-là. Putain, il m'a fait peur. Donc, par là, on a plus besoin d'y aller pour l'instant. J'ai bien dit pour l'instant. Et la petite clé, elle sert à quoi ? Une petite clé ordinaire, elle ne peut servir qu'une fois. Alors, rotation. Ah, d'accord. Donc lui, la petite clé sert à quoi en fait? Attends, faut que je regarde. Alors ça, maintenant à la cave, maison de chasse, ça va. La petite clé ordinaire, et elle ne peut servir qu'une fois, mais elle peut examiner. Ah mais, une fois à quoi? À ouvrir les coffres ou je sais pas quoi? Ok. J'entends. Il y a des gens. Ici, il n'y a rien. On va juste regarder. Non. Allez, te retourne pas, s'il te plaît. Parce que j'ai presque plus de balles. Ce serait bien que je puisse te tuer sans. Oh putain! Oh merde! Oh, crotte! El Polastero! Non, 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 non. Je suis pas là. Oh, merde. Et pourquoi elle tombe pas dans le piège, elle? Ah, il y a un tonneau. Ah, de la ferraille. Cool. Du coup, je peux fabriquer des munitions de fusil à pompe, ça c'est cool. Ok. Ok. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? Des tonneaux. Avec un couteau de cuisine, des PC tasses.
Un saphir. Ah. Ça, ça fait plaisir. Oh. Encore de la ferraille. Décidément. Alors. Ouh. Munition mitraillette, munition de fusil. Ah, c'est notre. Ah oui, d'accord, c'est ferraille plus quoi. Donc ça, c'est pour faire les carreaux. Ah, je peux le foutre là-dedans? Mallette espace temporaire. Abandonner les objets se trouvant en dehors de la mallette. Ah, d'accord, ok. Ok. Ok, j'ai compris. Bon, on va foutre ça là, de toute façon. Allez, on va essayer d'éviter tout ce qui est piège. Ici. Il y a rien, la carte ne dit rien du tout. Donc ici, apparemment, on a un trésor. Il faudrait que je retourne au village pour aller chercher les trésors, vu que j'ai pris la carte. Faut que j'y pense. Alors, les corbeaux, normalement, tu peux les tuer pour avoir des choses. Et là, je suis en mission de garder mes munitions. Okay. Pas beau, hein. Le jeu est beau, hein. C'est quoi ça? C'est la mort? Encore de la ferraille. Ah, ça c'est cool. Alors là, ça c'est de la ferraille normale. Donc, 12, j'en ai 7. Wow, j'en vais garder pour le fusil à pompe. Ça peut toujours servir le fusil à pompe. Ok. Donc, du coup, ici. C'est trop calme. Déjà. Alors, mot à propos de poupées. Leur influence n'est plus ce qu'elle était. Détruisez les poupées mécaniques. Ne pardonnez rien à ces aristocrates. Alors, de l'herbe. Poupée cette tasse. Ah, c'est ça. Donc, 16. Et ça fait un bruit bien distinct. Ça, on va l'utiliser, ça on va combiner avec ça, voilà. Donc c'est 16 ici ou c'est 16 en tout dans le jeu? Putain, c'est glauque, hein. Donc, ici on est bon. Donc, ici. Ah, oh, c'est dégueulasse. Quoi? T'entends? Il y a quelqu'un là. Oh non! C'est pas possible. Au devant. Allez, crève bordel. C'était chaud. Allez, une émeraude, ça c'est cool. Allez, putain, je récupère des munitions, il a fallu que j'en perde, quoi. Shit.
Tiens, le jeu qui te laisse pas de reposer une minute. Donc je suis à 10. J'ai plus de munitions de pompe, j'ai plus de munitions de pistolet. Putain, c'est pas possible. Ah, c'est beau, hein. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est beau. Ici, ok. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a rien. Ici. Donc il faut... Alors... Je pense qu'il faut rentrer dans cette maison. On va attendre... Oh bah c'est... Non. Est-ce que c'est l'endroit... Non, je peux pas utiliser cette clé. On va faire le tour de la maison d'abord. On va voir ce qui se passe. Donc, ici on a rien. Ici on a un piège. Des PC tasses. Ici, nous n'avons rien. Ici. Est-ce qu'il y aurait un truc de caché dans les, dans ces herbes? Ah, là. J'entends un drôle de bruit quand même. Alors, il y a une porte de derrière. Je pourrais peut-être rentrer par ici. À mon avis, c'était bloqué par devant. Oh! Excusez-moi de vous avoir dérangé, cher monsieur. Je ne savais pas que les cabinets étaient occupés. Là, si je voulais la jouer discret, bah c'est foutu. Putain, c'est beau. Hein. Oh la vache. Pas mal comme baraque. Ah, pas mal du tout, quoi. Les voisins doivent être jaloux. Alors, ici. Ah, voilà. Ok. Donc, c'était bel et bien bloqué. J'ai bien fait de passer par un côté. Oh, un œuf. Cool, regarde. Non. Voilà, je vais l'utiliser. Alors, on va... Ah, ici, qu'est-ce qu'on a? Une petite clé encore. Précisément. Alors, ici... Nous n'avons rien. Ici. Des vieilles photos. Ouais. Des vieilles photos de... Je ne sais pas, on ne voit pas grand chose. Ici, nous avons des tableaux avec plusieurs marques. La même marque partout. Je me souviens pas trop de l'histoire, hein, je vous avoue. C'est que le début qui m'avait marqué. Ah. Donc c'était la famille, ça? Photo de famille, enfin chère, de notre chair, sang de notre sang, remercions le Seigneur. D'accord. Donc on a tué l'homme qui était dans les toilettes. Donc du coup, il va y avoir la femme alors. Non? Donc, attends, ici, il n'y avait rien. Ah, tu vois? Donc ça, c'est les fameux cabinets. Alors on va d'abord fouiller... Attends, c'est quoi? Manoir du chef du village? Ah, d'accord. On va fouiller d'abord tout ce qui est bas. Je pense qu'on va me surprendre. Non? Ok, d'accord. Une grenade. Ok. Ici. Ok. Oh! Est-ce que si je fais un truc au hasard... Non. J'entends du bruit en haut. J'entends du bruit en haut, c'est moi. On va voir. C'est la maison qui craque ou... Ça fait flipper, hein. Et une sauvegarde. On va sauvegarder. Ah, une porte rouge, génial. Ah bah du coup, c'est mort. Je vais garder. On va sauvegarder.
Voilà. Allez, on y va. Ici, qu'est-ce qu'on a ? En signe de vérité, de vénération pour leur maître, les habitants offrent leurs biens les plus précieux. Le vieux fermier, sa meilleure récolte, le porcher fluet, son plus gros cochon et la vieille femme démunie, son enfant bien-aimé. Le maître se réjouit devant ses offrandes. Donc, récolte, cochon, enfant. Ok, d'abord, on va juste regarder ici ce qui se passe. Donc, je peux pas. C'est une clé spéciale. Et une porte très spéciale. Alors, c'est quoi ? Récolte, cochon, enfant. Alors, récolte, cochon, enfant. Donc, récolte, cochon, enfant. Ça fait peur, hein, parce qu'il n'y a pas de son. Ah, il n'y a rien, on peut pas l'ouvrir, une petite boîte ? Non. Alors, récolte. Récolte, j'y étais presque. Hein. Cochon. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Bille de cristal. Je pense que ça sert pour en haut. Donc ça, voilà, je vais pas regarder. Ça vaut 5000, 4000, 3000. Alors, cristal poli pour donner une sphère parfaite. Des bulles d'air sont visibles à l'intérieur. Ok, je pense que ça va en haut. Et on va me surprendre. Voilà. Tu vois ? Bien. Tu vois ? Il vient d'où, lui ? Je le savais, hein ? C'est parce que vous me voyez pas, hein, mais je suis en mode... Ah bah, c'est celui que j'ai tué en bas, ça. Je suis en mode crispé à chaque fois. Hein. Et je suis moins rassuré que je le fais hors live, bizarrement. Donc, est-ce que ça va là-dedans ? Oui. Oh ! Comment que ça fonctionne? Ah! Il doit y avoir un système. Non, c'est pas ça. Il doit y avoir un système. Pour ceux qui ont la ref. Alors là, je comprends pas, hein, honnêtement. Je peux rester. Moi, c'est des choses simples comme ça, je peux rester calé pendant. Ah bah voilà. Ok, d'accord. Il fallait refaire juste le dessin. Ok, la chambre. Alors, chronique du village, volume 3, date 10 octobre, le ciel est étrange ces derniers temps. Le blé se dessèche, les vaches maigrissent. Date 8 décembre, il y a des signes de famine. Il est vrai que nous manquons de main-d'œuvre pour les travaux des champs, mais les ordres de Lord Sadler ne sauraient être remis en cause. 30 janvier, 30 personnes sont mortes de faim, 5 vaches vont être abattues. Le 11 mars, les patriarches se rassemblent pour tirer au sort, 6 de plus ont été choisis pour Lord Sadler. Date avril, 8 de plus aujourd'hui. Date, aucune date, 4 de plus aujourd'hui. Date, aucune date, 11 de plus aujourd'hui. Deux randonneuses égarées se sont aventurées dans le village. Nous les avons amenées à l'hôtel pour le rituel. Pardon, il est tard. Pas besoin d'effectuer un tirage au sort aujourd'hui. D'accord. Du coup, ça c'est Lord Sadler, c'est lui. Alors, est-ce qu'on a quelque chose ici ? Visiblement, non. Est-ce qu'on aurait quelque chose ici ? Visiblement, non. Donc, ça se passe
ici, dans le tiroir. Ah là, des munitions. Ah, la clé d'insigne. Oh putain, ça, je vais pouvoir ouvrir les portes et tout. Ah, génial. Oh.